Bienvenue dans mon enfer. Il y a Victoire, Sam, Eric. Plus qu'un couple, c'est un trio. Les rois de l'internat, plus populaire, tu meurs ou tu dégueules. Lui, c'est Edgar. C'est un fils de bourge, toxico à mort, et qui deal pour gagner sa vie. Janet, c'est une English, une rose beef, bref. Elle a perdu ses parents, mais pas son accent. Là, c'est les sportives. Elles sont complètement cintrées. Elles consomment trop la marchandise d'Edgar. Il y a aussi le gang des couettes. Elles aiment la couleur. Peut-être un peu trop, même. Le geek, on sait pas vraiment grand-chose sur lui. Et sérieusement, on cherche pas à en savoir plus. Après, là, c'est les papiches. Ou les rockabilly. Elles partagent tout, vraiment tout. Béatrice, c'est simple. C'est l'enfant sage. Elle a trouvé Jésus. Non, pas celui-là. Ressus, le gars qui vide les poubelles. Ça, c'est Clémentine. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et elle le boufferait bien au petit-déj. Et là, c'est moi. On m'a mis ici de force. Et j'en sortirai par la force s'il le faut. Le problème, c'est Sœur Lucieur, une vraie peau de vache. Et le Dirlo, un vrai cinglé, obsédé par les Russes et les petits-enfants. Alors pour me sortir de là, j'ai fait les pires conneries. Les Soviétiques s'attendent à une condamnation unanime des Occidentaux. Ça vient, hein. Toujours la même. C'est encore toi, le bêtise. Non, mais sincèrement, Laura. De toute manière, tu pensais avec nous, ils n'auront jamais te virer. Grandis, quoi. Personne ne t'aime ici. Et c'est pas en faisant des conneries qu'on va commencer à t'aimer. Tu te prends pour la reine, quoi. Non, mais lâchez-moi, non. Je sais pas, vous me connaissez pas. Par contre, moi, je vous connais. Hein, Rick, tu sais que t'as deux copines, mais tu préfères avoir un copain, ouais. Ça se voit, vu comment tu te comportes avec tes coéquipiers. C'est même pas vrai. Et vous, les filles, Henri, vous restez bien un couple, non? Je vois de quoi tu parles. Et puis toi, Janet, t'es deux mains sur ton ventre. Tu crois que j'ai pas remarqué? Ça fait combien de temps que t'es enceinte? Deux, trois semaines? Hein, Pierre, tu dois être le père, c'est ça? Non, mais vous n'avez pas marre, sérieux, d'être ici? C'est hyper craignant, je suis vraiment la seule à vouloir partir. Hé, hey les gars, vous avez une idée pour les passions? À part fracasser la nonne. Oui, on utilise les bras pour faire des échelles. On fait diversion avec nos skates. On peut droguer la nonne. Pardon, mon champion. Merci. C'est par toi. Nous, on prend les chariots et on passe par la cuisine. Toi aussi, mets du savon dans les couloirs. Au pire, on se barre en courant vers la sortie. Ouais.